communication, donc l'objectif donc, du projet dans l'atelier. Et voilà, je vous donne le temps. Okay. Bonjour monsieur Ousou. Merci monsieur. Cet atelier de concertation des associations de consommateurs de l'UEMOA se situe dans le cadre du fait que la protection des consommateurs fait partie de l'une des activités prioritaires de la commission de l'UEMOA pour la feuille de route 2018-2021. Et donc cet atelier de concertation pourra nous permettre de faire l'état des lieux de la protection des consommateurs au niveau des États, tirer les forces et les faiblesses de la protection des consommateurs, pour essayer de prendre des mesures idoines pour l'amélioration de la protection des consommateurs au sein de l'UEMOA. L'opportunité de la tenue de cet atelier sera-t-elle réitérée jusqu'au terme de la feuille de route? Nous l'espérons, puisque la feuille de route, date de 2018-2021. Et donc, tout le long de la période, nous allons organiser plusieurs ateliers de concertation. Nous allons organiser même des ateliers de format, de renforcement des capacités des associations de consommateurs. Et nous comptons aussi prendre des tests réglementaires au niveau de l'UEMOA pour la protection des consommateurs. Merci pour cette initiative, M. Ousou. Nos remerciements au président de la commission de l'UEMOA pour cet élan afin d'aider toutes les associations de consommateurs et les ministères techniques en charge du commerce, bien sûr, à réguler le secteur de façon favorisant tous les acteurs concernés. Je vous remercie. À très bientôt. Bonne suite de travaux. Merci. Merci.